să credem în persoanele alinte. Te rog, salve, Doamne, mentorem în persoanele alinte. Si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Nous avons besoin de ton assistance, cher Saint-Esprit, d'un que tu puisses inspirer les orateurs que tu as voulu qu'ils puissent être tes instruments pour parler. Seigneur, tout est écrit par ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, d'écouter l'inspiration qui émane de toi pour, Seigneur, édifier ton peuple, car il est là, ton peuple mérite votre connaissance. Nous avons besoin des informations pour notre instruction. Père, sois l'auteur de cette assise, coordonne cette assise et du Christ. Amen. Amen. Et D comme doctorat.
La licence pour le voyage dans ce système prend exactement 4 jours de sacrifice avec 80 cours maximum étalés sur 4 ans en raison de 20 cours par année. La maîtrise qui prend approximativement 18 cours pour ce qui concerne la maîtrise formant académique qui vous donne accès à l'université, elle prend 2 ans et la maîtrise formant professionnel qui prend approximativement 12 cours avec une année de formation qui ne vous donne pas accès au doctorat. Et puis, il y a le doctorat lui-même qui prend 10 ans avec les travaux et recherches. Ce système est basé sur une IRU et la formation est partie en 4 étapes, à savoir un quart consacré essentiellement à l'exposé magistral et professeur, l'autre cas consacré à l'exposé technique de l'expert, l'autre troisième cas consacré aux recherches en bibliothèque et sur Internet, et le dernier cas consacré aux travaux en petit groupe entre étudiants. En ce qui concerne les points focaux, c'est les 3 R. Le premier R comme recherche, parce qu'il faut beaucoup de recherches. Le deuxième R comme réflexion, parce qu'il faut aiguiser la réflexion pour augmenter la capacité réflexive et éclectique. Le troisième R comme rédaction pour forcer, pousser nos étudiants à la rédaction académiques et scientifiques sans lesquels on perd de tout sauf universitaire. Parce que justement, on a besoin de la production intellectuelle pour alimenter les débats dans la cité. En ce qui concerne notre méthodologie, nous avons dit que nous poursuivons pour vite afficher clairement. C'est la préparation d'une nouvelle génération de leaders africains qui seront des solutions aux problèmes de notre société et des réponses aux questions qui se posent dans notre environnement vital et changer le monde. Nos objectifs sont les suivants. Primo, lutter contre la pauvreté par la création continue de richesses. Secundo, lutter contre le chômage par la création continue d'emplois, former des cadres de plus haut niveau, prêts à utiliser pour l'industrie, le business et bien d'autres secteurs clés de la vie et capables de jouer un rôle de leadership transformationnel et transactionnel. Former les entrepreneurs créateurs d'emplois et de richesses, et non des demandeurs d'emploi, comme c'est la coutume de notre pays. Innover complètement dans l'approche éducative de notre jeunesse avec une forte dose de pratiques en alliant en temps réel, théorie et pratique d'une part, et d'autre part, relier l'université et l'industrie dans une même moule pour créer une véritable dynamique de groupe, une vraie synergie entre l'université et la société dans laquelle elle vit. Renouveler les personnels vieillissants de la profession enseignante au niveau supérieur et universitaire de notre pays. Pour y arriver, l'UCI accorde des facilités diverses et des allègements des conditions d'accès à notre programme pour les 3 cycles, licence, master et doctorat, par une politique de proximité en amenant la formation vers l'apprenant.
L'UCI accorde pour ce faire des bourses d'études à ces étudiants qui pourraient satisfaire aux conditions requises par la hiérarchie conformément aux standards internationaux en la matière. Les buts exprimés derrière l'octroi des bourses étant de pousser la jeunesse aux études et plus particulièrement la jeunesse de conditions modestes, principalement la jeune fille. Mode opératoire. En partenariat avec la mairie, qui nous a réservé un accueil fraternel en principe de convivialité, les ONG effectives sur le terrain ainsi que les confessions religieuses de Boma, l'UCI va inaugurer ici à Boma un système révolutionnaire qui va complètement changer la donne dans l'histoire de l'enseignement supérieur à Boma. Nous allons immédiatement, après cette conférence, procéder à l'introduction des premiers cours des troncs communs prévus concomitamment pour les trois cycles, à savoir licence, maîtrise et doctorat. Nous allons ensuite procéder à l'ouverture et au lancement des incubatoires techniques. Nous avons demandé conférencier d'être concis et bref parce que nous avons affaire à des hauts responsables qui ont des lourdes responsabilités. Nous n'avons pas voulu en abuser à votre patience. C'est une journée ouvrable. C'est pourquoi dans les invitations, nous avons précisé l'heure que de 12h à 14h. Et nous ferons un effort pour ne pas déborder, rester dans les timings. Le docteur Monté, qui est le recteur de l'Université chrétienne internationale, il est de la nationalité canadienne. Et celui qui serait le conférencier principal, Godefroy, le directeur du cabinet du chancelier, ou le fondateur, le docteur Stéphane, que vous connaissez. En fait, celui-ci a été acquillé par le fils du pays et le fils de la province pour dire que c'est absurde que tu donnes beaucoup d'importance à créer ou à élargir les extensions de cette université dans les frontières en dehors des frontières, mais sans penser à ta province d'origine où tu es fils, tu as des parents, tu dois rentrer chez toi pour encourager ce développement, l'autofinancement et l'autoprise en charge. Voilà pourquoi dans ses rêves, il a pensé que l'installation de cette université chrétienne international dans notre milieu, ça ne concerne pas les petits enfants. Si vous regardez dans l'auditoire, il n'y a pas de jeunes gens qui viennent tout droit de l'école. C'est l'andragogie, l'enseignement des adultes. On voudrait apporter un plus sur tout ce que vous avez comme connaissance sur le leadership managérial. Voilà pourquoi le recteur a présenté ses excuses. Il n'y aura plus de conférenciers, il n'y en a qu'un seul. Il a été bref. Nous nous mettons à la disposition de l'auditoire pour toute question de lumière et d'éclaircissement. Parce qu'après cette conférence, les récipiendaires qui ont déjà pris inscription vont se retrouver ce soir dans le travail, les choses vont déjà décoller autour de 17h30. Vous êtes les responsables. Nous trouverons, il y a des séminaires comme il a donné son exposé, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir s'asseoir, des formations extra, où des gens peuvent arriver, tenir des conférences avec vous, faire avancer petit à petit la science, jusqu'à ce que vous vous retrouviez
en train d'être encouragé à créer sur le plan international. C'est le programme LM2. C'est un basculement. Avant question-réponse, je demanderai au conférencier de nous donner quelques statistiques. Nous sommes dans le programme belge. Nos ancêtres nous ont amené un programme que nous suivons. Mais il se fait que même nos ancêtres ont déjà basculé dans une nouvelle donne qui a fait preuve dans le monde et qui fait que lorsque vous terminez dans ces institutions-là, de LM2, vous vous retrouvez en train d'être récupéré pour être un personnel international. Qu'il nous donne quelques statistiques, notamment de la Chine, de la Belgique, de la France et de l'Allemagne. Qu'est-ce qui fait que ces pays émergents sont en train de monter en trombe? Nous aussi, nous avons un défi à relever. Le chef de l'État a fixé un objectif et la barre très haut. Nous sommes un pays émergent dans quelques années. Mais comment y parvenir? Voilà la réponse. Merci, monsieur le moderateur. Le problème qu'il faut éclairer ici, c'est les concepts agrément et accréditation. L'université ou une institution d'enseignement supérieur peut bien être agréée. Ça, c'est une chose. L'agrément, vous savez, c'est l'autorisation et la reconnaissance officielle du gouvernement et l'État. Qui vous donne les droits des fonctionnaires qui existaient et puis les fonctionnaires sur les territoires sous sa tutelle. Mais cela ne donne pas la clé directement pour aller dans les universités correspondantes ailleurs. Mais l'UCI, en plus de l'agrément, a également l'accréditation qui signifie vous êtes en conformité avec les standards internationalement admis, mondialement reconnus par les universités sœurs et par le monde. Et en ce qui nous concerne, nous, Université Pétain Internationale, nous sommes une université dans les réseaux des 10 premières universités au monde, à savoir les Harvard aux États-Unis, New York aux États-Unis, Toronto au Canada. Ce sont là les 3 universités avec lesquelles nous sommes en réseau et nous fonctionnons comme tels. Un étudiant qui termine ici chez nous, à l'UCI, avec un diplôme de licence, il va directement faire son master aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Un étudiant qui, par exemple, s'arrête au niveau de deuxième année ici chez nous, il a commencé soit en deuxième ou bien en troisième aux États-Unis ou au Canada, exactement dans la classe correspondante. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de récupération possible parce que c'est le même standard, le même système et il y a les mêmes corps professoraux qui exercent dans les deux univers. Voilà un peu pour ce qui concerne les statistiques, en ce qui concerne les systèmes LMD. Et il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas se dévoiler la face. L'UCI propose ce système avec un objectif affiché, celui de former exactement une nouvelle génération de leaders africains formés pour être solution aux problèmes et réponse aux questions de notre survie et de notre existence. Voilà pour répondre à la préoccupation du modérateur. Je vous remercie. Merci. Avec les questions, présentation à la cour. C'est Jean-Pierre Tchassa de la
savoir, je voudrais connaître comme vous avez dit la différence entre agrément et accréditation. Bon, à ce qui concerne l'accréditation dans les universités américaines, notamment les États-Unis, nous savons qu'il y a des limites. Est-ce que la formation, parce qu'ici nous faisons une formation, je n'ai pas bien vu le client, c'est vraiment remis en état. Donc la formation se fait en anglais, il faut avoir des connaissances de base en anglais ou surtout de ce côté-là qu'on vous parlé de Toronto. Toronto, c'est la partie canadienne anglaise, donc ce n'est pas dans le Québec. Donc est-ce qu'il faut avoir une grande maîtrise de l'anglais, tant parler qu'écrit? Merci, monsieur, pour la conférence. Merci, monsieur, pour la conférence. Je veux remercier. Moi, je suis directeur de l'enseignement, colonel Pierre. Je représente la FAD des CIA. Oh. Bon, c'est dire quoi? Quand le modérateur a essayé de dire. Pour vous donner la parole, pour vous donner des statistiques, vous avez fait un peu un parcours, Chine, Amérique, Allemagne, tout ça. Comment le système LMD a essayé de vous aider, fait que le leur pays soit vraiment à ta vitesse. Je me demande, ça c'est l'indication du gouvernement, pour qu'on impose ce système. De fils. Mais ici, j'ai l'impression que c'est une nouveauté d'un particulier. C'est une nouveauté d'un particulier. Nous autres, nous avons la chance d'être en dehors du pays, c'est ça. Ce système, c'est déjà de la coutume. Mais ici, vous essayez de décider. On essaie de décider. Nous avons fait la comparaison entre. Le système, notre système traditionnel, graduat, licencié, doctorat, consortium, pour que nous sachions d'où nous venons, où nous sommes, où vous voulez nous amener. C'est juste la question. Merci beaucoup. Merci. Directeur de l'enseignement. Pour la parole, d'offrir de la fonction publique, deux petites questions de préoccupation. Donc Félix Massoumbi avant moi. Deux petites préoccupations, disais-je. La première, c'est que il y a un arrêté de son excellence, monsieur le ministre, des messieurs qui interdit les extensions. Tel que je comprends, UCI Goma ou Congo Central ne serait pas autre chose qu'une extension. La préoccupation celle-ci. Quelle sécurité nous garantit faites-vous de vos futurs étudiants? Quant à ça. La seconde. La plupart, à moins que je m'abuse, la plupart de ceux qui sont ici, nous qui sommes ici, nous avons étudié notre cursus universitaire dans les systèmes monolithiques que tantôt vous avez évoqué. Et que vous nous proposez LMD. En fait, je vois l'aspect M, donc le master. Que cela qui désirerait emboîter les pas à l'UCI, qui souhaiterait faire la maîtrise, comment vont-ils s'y prendre, puisqu'il vient d'un système monolithique. Maintenant, il y a un MP. Comment va-t-il s'y prendre? Merci. Comment va se passer concrètement la formation, le lieu de la formation, les heures de formation, vous avez parlé de 20 heures par an pour
le niveau licence pour vous protéger. Est-ce que le cadre va vous permettre d'atteindre le 20 cours? C'est 20 cours, vous avez dit. Comment ça va se passer? Vous êtes déjà en retard par rapport à l'année académique officielle. L'année académique, c'est le 15 octobre, termine le 30 soir, je le parlais juillet, le 31 juillet. Donc, vous pensez commencer à la période où les universités officielles vont commencer la première session, la mi-session. Comment ça va se faire concrètement? Voilà ma préoccupation. Les questions qu'ils ont posées, je m'en vais rapidement répondre en commençant par la dernière question, celle du pasteur Lendo, qui concerne l'horaire de formation et les résultats par rapport au calendrier officiel. Nous sommes dans un système rotatif et modulaire. Là, le temps court. Pour nous, ce n'est pas une année. Nous évoluons, nous avançons par module de 3 mois chacun. Il y a inscription chaque module. Par exemple, le module présent qui commence, c'est le tout premier. Nous allons accéder, inscrire un certain nombre d'étudiants qui vont commencer là-bas. La roue de la formation continue. À la fin de ces premiers modules, il y aura 5 cours qui vont être soumis aux examens. Les étudiants éliminent les 5 cours. Après, nous commençons un deuxième module. Là aussi, nous acceptons de nouveaux étudiants pour essayer les commencements. À la fin de ce module, ils passent les examens pour les 5 cours. Il y aura encore un troisième module où nous allons encore accepter d'autres étudiants qui vont arriver, qui vont prendre 5 cours, ils vont commencer par là, et le système continue, la route de la formation continue de manière rotative sans s'arrêter. On sait quand on a commencé, on sait quel jour on va terminer. Donc, il n'y a pas de temps à perdre parce que le temps n'est pas avec nous. Avant l'heure, c'est déjà l'heure, et la nuit, c'est déjà aujourd'hui et maintenant. Ça, c'est pour répondre à la question du premier intervenant, pour lui assurer qu'il n'y a aucun inconvénient, aucun souci par rapport au calendrier officiel. Ceux qui ont commencé avant vont terminer l'année exactement à la date prévue par les ministères. Mais ceux qui ont commencé après vont continuer et ainsi de suite. Il n'y a simplement aucun souci quand passé. La deuxième question sera celle de M. Jean-Pierre qui se préoccupe de la problématique d'agrément et de l'accréditation ou s'il y avait un besoin particulier de connaissances suffisantes en anglais. Bon, je vais vous rassurer tout de suite que c'est vrai, les professeurs qui viennent des États-Unis, du Canada, ne parlent que l'anglais, ça c'est sûr, parce que ce sont des citoyens américains et canadiens, notamment les recteurs de l'université lui-même, il est de nationalité canadienne, il est de l'université de Toronto, il parle anglais. Chef de bureau urbain de la décentralisation et affaires quotidiennes. Je suis aussi quelque part. Alors, mon problème, je voudrais savoir si depuis que vous êtes à l'heure, les docteurs qui sont sortis par le système L1D de l'Université internationale, chrétienne internationale, sont facilement admis au niveau du gouvernement congolais dans l'UCI. Et s'il y en a déjà, vous pouvez nous donner des exemples. Parce que le problème, c'est l'emploi. Lorsqu'on termine, lorsqu'il y a des barrières pour être accepté dans des chaires
qui sont déjà occupés dans des vieilles universités. Alors on aura passé un temps pour rien. Il faut peut-être sortir de nouveau pour aller trouver du travail ailleurs. Merci. César Guillaume, déclarant droit. Quand je parcours votre déliant ici derrière, vous avez des facultés organisées des formations professionnelles. Alors, pour ceux qui se sont déjà fait inscrits, comment vous comptez percevoir les effets académiques? Parce que votre système est rotatif, ce que vous avez dit là, c'est clair. Donc, on utilise par le motif. Et puis, pour les formations professionnelles, oui, je vois ici, vous avez les facultés organisées, donc les cycles normaux pour les facultés organisées ici. Alors, comment comptez-vous demander les frais académiques pour toute l'année? Parce que vous avez un système de mon livre. Est-ce qu'on paye par mon livre ou par année académique? Et comment vous comptez terminer tout cela? Mais pour la formation professionnelle, je vois là-bas, il y a aussi des 3 mois. Et comment vous comptez passer ces formations professionnelles? Est-ce que vous avez des équipements ou vous avez déjà les machines, par exemple, pour les énergies les renouvelables? Parce qu'il y a l'équipement viable et adéquat pour cela ou quoi? Ma question est la suivante, je voudrais savoir, lorsqu'on parle de développement... Il est en train il faut bien se présenter parce que le nom... Je suis chef des secteurs de groupe. En fait, ma question est la suivante, je voudrais savoir, lorsque vous parlez du développement, parlez du développement, on voit beaucoup plus la jeunesse. Et par rapport au système LMD, de voir les publics ciblés, ce n'est pas vraiment la jeunesse. Je ne sais pas comment concilier le développement au public ciblé par rapport au RMD. C'est la question que je veux savoir. J'ai un bon chef du bureau de la Bibliothèque nationale. J'aborderai dans le même sens que deux de mes prédécesseurs. Madame Angèle Abou. Je disais que j'aborderai dans le même sens que mes deux prédécesseurs, c'est-à-dire vraiment pour vous, pour demander si, puisque l'Université chrétienne internationale a été créée depuis 1993, et si on compte jour pour jour aujourd'hui, vous comptez un quart de siècle. N'avez-vous pas mené des plaidoyers au niveau du gouvernement pour pouvoir me convaincre? Parce que je suis. À maintes reprises, j'ai suivi les champs suivis à la télévision. Il y a des problèmes pour dédouaner des matériels, des équipements qu'on lui envoie. Parce qu'ils cherchent des exonérations. Et ma deuxième question porte sur le terme université à bourse. Les étudiants auront des bourses. C'est-à-dire qu'avec ces bourses, ils pourront payer les frais y afférents pour leur formation. Je voudrais savoir simplement, c'est donc Félix Mansour. Qui accrédite une université à RMD? Je voudrais d'abord poser cette question honorer d'abord la femme, la seule qui a jusqu'à poser la question très pertinente, qui souhaiterait que l'université puisse mener un plaidoyer au niveau du pouvoir pour obtenir les déploiements, les matériels et l'université. Je vais vous épargner, c'est ça la question? Démocratique,
Lorsqu'on continue avec l'ancien système, au faudrait-il encore multiplier différents plaidoyers pour qu'on y basculion dans le système LMD? Voilà. Il est les Les évidences sont là. Il suffit de voir là où ce système nous a amenés. Il suffit de voir la production intellectuelle de l'ensemble des universités. Il y a de quoi se poser des questions. Les autres pays, en dehors de la RDC, ont déjà basculé pour ce système. Il n'y a que notre pays qui traîne encore les pas pour basculer pleinement dans le système. Bon, vous le savez, madame, j'imagine que vous avez des responsabilités. Vous savez que les conseillers font leur travail de proposer des conseils, de proposer des idées, mais la dernière décision revient quand même à qui des droits, c'est-à-dire aux décideurs. L'université a fait son travail de plaidoyer, l'université a plusieurs fois soumis des réflexions, des travaux au pouvoir et ouvrir la porte pour que les autres universités puissent accéder à ce système-là et l'expertise par rapport à ce système existe. Nous avons cette expertise et nous pouvons mettre à la disposition des autres universités. Nous ne sommes pas égoïstes, au contraire, nous tendons la main à toute université qui voudrait avoir cette expertise. Nous sommes pleinement disposés à partager cette expertise pour que les pays tout entiers, finalement, comprennent le système, maîtrisent le système. Pour que nous soyons, pour que nous ayons des armes égales, pour compétir avec les autres. La compétition aujourd'hui, elle est globalisée. Ce n'est pas une compétition locale, une compétition nationale, oui, mais la compétition, elle est globalisée. Parce que nous serons sur le même marché d'emploi, nos étudiants, nos finalistes, seront jetés sur le même marché d'emploi que ceux qui ont étudié dans les universités. LMD dans les universités des arts libéraux. Mais tout de suite, vous sentez la différence, vous sentez qu'il y a, un match qui n'est pas légal. Donc nos finalistes vont avec un désavantage comparé. Voilà ce que je pourrais réserver comme réponse à la préoccupation des madames. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa préoccupation. Au respect de toutes les exigences quant à cette matière. C'est en ce moment-là que vous avez l'accréditation. Ça signifie qu'on vous reconnaît et que vos produits sont acceptés dans ces universités au même niveau que leurs propres étudiants. Voilà ce que je pourrais réserver comme réponse à votre préoccupation. Mais c'est bien donné. Se préoccupe en ce qui concerne le peu de participation de la jeunesse, c'est ça, qui est la cible principale à venir pour les pays. C'est justement la jeunesse qui nous intéresse, mais il ne faut pas faire de la folie. Lorsque les jeunes se décident à tuer tous les vieux, c'est fini, ils ont tué la bibliothèque. Nous devons associer et les vieux qui ont l'expérience et la jeunesse qui va amener la ferveur de la jeunesse pour qu'ensemble, jeunes et vieux, nous puissions nous associer, créer une dynamique sociale, une dynamique des groupes d'âge pour que nous puissions créer la synergie pour justement déclencher les take-off de notre pays et en ce qui concerne notre vie de Boma, les take-off de notre vie de Boma. On a besoin de la jeunesse. On a également besoin des aînés qui nous ont précédés dans ce domaine pour que nous puissions mettre ensemble expérience et expertise pour avancer. Voilà. Savoir comment se fera la perception des frais, des frais académiques. Donc, c'est une question qui pourrait être traitée directement au niveau de votre direction ici,
Et immédiatement après cette conférence, nous serons déjà avec les récipiendaires. On va aborder cette question à ce niveau-là. Sous fait que nous ne puissions pas l'aborder ici. Monsieur Léo, c'est lui qui a posé la question. Quelle est la situation sociale de la ville de Beaumont? Il paraît qu'on a enlevé à la ville la vie. La ville vivait autour de son port. Il y a des petits problèmes à ce niveau-là. Les activités n'ont pas encore repris à 100%. Nous tenons compte de ça. Nous sommes informés, nous savons plus ou moins comment ça se passe. Donc, n'ayez aucune crainte. Nous allons trouver un modus vivendi pour résoudre cette question. C'est une politique contextualisée, c'est-à-dire ça tient compte du contexte local. Ok? Voilà. Vous avez aussi parlé de la formation professionnelle. Comment on va s'y prendre, c'est ça? La formation professionnelle exige justement ce que vous avez fait allusion. C'est pour ça que dans mon exposé, j'ai parlé des cliniques. Ça signifie quoi? Je prends l'exemple que le CI n'a pas encore lancé sur le marché des docteurs. Par contre, elle a déjà lancé sur le marché les premiers masters. Nous sommes dans la même logique. C'est une erreur monumentale de croire que l'État donnera l'emploi. C'est une erreur monumentale. Si ça peut arriver, c'est accidentel. Mais l'État n'a pas pour vocation de donner l'emploi. Il appartient aux finalistes qui sortent de l'université de justement créer l'emploi, créer la richesse pour résoudre les problèmes qui se posent à notre société. Nous sommes partenaires à l'État, au même titre que les églises, notamment l'église catholique, qui fait un grand travail sur le terrain, l'église protestante et tout, en créant l'emploi. Nous voulons que ceux qui terminent chez nous ne rédigent pas les demandes d'emploi. Parce que, bon, je ne sais pas, ils vont aller dans quelle entreprise pour chercher l'emploi. Il n'y en a pas. Ils vont aller à la fonction publique, il n'y a plus d'emploi, c'est plein. La seule chose à faire maintenant, c'est de former des personnes capables de créer l'emploi. Nous allons nous y mettre, c'est un engagement solennel que nous prenons ici devant vous, non, les chanceliers de l'université. Vous allez créer des entreprises, nous allons nous y mettre immédiatement. Papa, vous allez créer votre propre entreprise. Des jours à l'étranger pour un diplôme académique. Avec le système LME, vous pouvez être classé sur l'échiquier international. Ce que je vous dis, nous avons des témoignages pour les personnes, je serai avec Papa Léo en aparté. Il y a des gens qui remplissent des hautes fonctions dans les pays qui sont sortis du système LME par communauté et par respect. Nous ne pouvons pas citer une très grande autorité qui cesse le pouvoir dans cet auditoire. Nous lui donnerons, nous avons des témoignages. Donc, pour ne pas être complexé, parce que dans toute la vie, pour parler de la province, de Kassangoul jusqu'à moi, tous les bas fleuves balayés, la plupart de nos universités 20 ici à Oma s'arrêtent au niveau des licences. Ça, c'est un faux système qui mérite qu'on puisse être moulé, qu'on vous explique comment les choses fonctionnent. Le cours se limite par module. Il n'y a rien à comparer avec l'ancien système qui existe déjà. Personne ne va annuler vos diplômes antérieurs. Le preuve de vos titres académiques que vous avez.
africain, conscient de l'autorité pour développer les élites en modèle de l'intégrité et l'action, le master et le doctorat est mis à votre disposition. C'est une opportunité à ne pas rater. Vous pouvez prendre les trains dans le domaine de master et de doctorat. Il y a un principe. Il y a des docteurs au milieu de nous. Il y a des maîtrises, il y a des maîtres. J'ai discuté par deux jours avec un grand frère Bruno dans son cabinet. L'homme est appelé à évoluer. Il doit se métamorphoser. À partir de la science que vous aurez, il y aura des transformations dans votre approche des idées, dans votre approche de réfléchir. Vous devez être fier s'il n'y avait pas de décanteurs de maîtrise. Américains, par exemple, dans la salle, on serait complexé. Mais vous en avez. Ici à Boma, ce sont des consultants. Mais si vous n'êtes pas dans ces sphères, qui viendra vous consulter? C'est ça le problème. Donc, ceci dit, nous sommes en train de terminer cette conférence avec l'autorisation du directeur du cabinet du chancelier, s'il m'autorise. Nous tenons à vous remercier pour votre attention soutenue. Pour votre présence et l'intérêt, la gamme et la sélection des questions que vous avez présentées prouvent la suffisance que vous avez bien maîtrisé l'exposé magistral et que vous y avez présenté, vous y présentez beaucoup d'intérêt. Moi, je vous encourage. Ne pas vous amener dans le pays des Canaan que la personne qui a déjà visité le canal. Fleuve, il y a des liens. De se passer ici dans la salle FG. Par rapport à ça, quelles sont vos impressions? Très bonne, très très bonne. Nous sommes ravis du fait que le master, le doctorat nous trouvent chez nous à la maison. Ça, c'est une bonne chose. Nous avons toujours pensé aller ailleurs, mais comme ils sont là, ils sont pointés premiers, nous les encourageons et que nous souhaiterons que toute la population gomatracienne, même d'environ, vienne s'inscrire dans le Ok, merci. Je vais modérer également cette conférence académique.
Dites-nous, qu'est-ce qui ressort également de cette conférence? Ce que j'ai retenu de cette conférence animée par le professeur Godefroy Bilefou, le représentant personnel du chancelier, le docteur Nzita Stéphane de Kinshasa, c'est que le monde est en effervescence, changement. Le monde est en train de basculer dans une nouvelle donne. Cette nouvelle donne a un nom qui s'appelle mondialisation, a un nouveau nom qui s'appelle globalisation. Donc, on ne travaille plus, on n'a plus le droit de travailler à vase clos. On doit s'ouvrir au monde, poser les actes, acquérir la science d'actualité qui est le management, qui est le leadership, capable de vous aider à vous situer sur l'échiquier international. Quand vous vous retrouvez avec les experts internationaux, vous n'avez pas à être complexé, vous ne manquez pas de mots, mais vous pouvez défendre valablement votre pays, votre province et votre ville. C'est dans cette nouvelle donne que nous pouvons travailler durement pour le développement de notre contrée et chercher à obtenir des aides extérieures parce que nous aurons à naviguer avec eux aux mêmes longueurs d'onde. C'est ce que j'ai retenu en un mot. Merci. C'est moi à vous remercier, monsieur le journaliste. Merci beaucoup.